Donc là, Garuda Linux, le pare-feu port master, donc une autre vidéo rapidos. On devrait la voir, je suis en train de mettre à jour. J'ai eu des mises à jour qui se sont manifestées sur Garuda Linux. C'est en train de mettre à jour. Et j'ai eu la notification PEPAMAC que PAMAC voulait se connecter à Internet. Ici, vous regardez bien. Ici, j'ai Active Connection. J'en ai 41. Et oui, parce qu'il y a PAMAC qui se connecte à Internet. Donc le détail, vous le voyez ici. Vous voyez, hop, on a PAMAC, PAMAC, PAMAC. Donc ça, c'est tout ce qui est mis à jour. Et si vous regardez bien, il se connecte à plusieurs endroits par rapport aux adresses IP. Là, je prends celui-ci, je clique sur la flèche ici pour développer. Là, c'est carrément en Allemagne. Si vous voulez, par exemple, bloquer d'une adresse IP, eh bien, il faut venir ici et il faut faire ici bloc domaine, de façon à ce que ça bloque les mises à jour par rapport à cette adresse IP. Donc normalement, il faut cliquer ici sur bloc domaine. Bon, il n'y a aucun intérêt à faire ça, puisque ce sont des mises à jour. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que si jamais ça vous arrive, éventuellement, il faut venir bloquer ici, bloc domaine. Alors si je clique ici sur... Voilà, on peut soit le faire par là, ou soit par là. Oh, ça m'a encore changé ma résolution d'écran. Bon, c'est une mise à jour, hein. Bon, apparemment, il est assez fort pour ça, Garuda, hein. Garuda, c'est... Ils sont assez forts là-dessus, hein. Ils sont assez forts pour changer votre résolution d'écran. Votre système est à jour. Ouais, ben, il serait bien de me remettre quand même ma résolution d'écran, hein, si je suis à jour. Parce que là, lol, voilà, tout... Il m'a tout déchiré, bon, comme habituellement. Voilà, là, bon, le pare-feu, il me demande est-ce que je veux autoriser? Ben, je dis oui. Bon, moi, c'est moi qui ai réglé le pare-feu comme ça, hein. Bon, allez, ferme-toi. Bon, voilà, grosso modo, je vous ai fait voir. Là, je vais redémarrer. Puisqu'il m'a pété ma résolution d'écran. Alors, en même temps, on va voir que si quand je redémarre. Est-ce que... Ouais, il m'a mis à 800 par 600. Bon. Alors, je vais redémarrer. Et je vais voir si ma résolution d'écran, elle se remet toute seule ou pas. Et vous voyez, c'est chiant, quoi. En plus, là, si vous regardez bien, hop, regardez, j'échappe au démarrage. Si je fais option avancée pour Garuda Linux, et là, ici, je ne vois absolument rien. Garuda Linux, with Linux, Linux LTS, hop, et là, on n'arrive même plus à lire ce que c'est. Ouais, bah ouais, j'arrive plus à lire. Linux LTS, bon, c'est pas grave, je vais appuyer sur une touche. J'ai même pas appuyé sur entrée. Vous avez vu, on peut même pas lire ce que c'est. Donc pour moi, Garuda Linux, c'est pas une distribution qui est stable, hein. Parce que comme je vous ai fait voir, il me semble que j'ai mis la vidéo en ligne hier, je me rappelle plus, ou alors je l'ai pas mis. J'ai certaines applications. Bon, je prends un exemple ici, hein, mais c'est pas Garuda Linux là. Ben, il y a certaines applications, dès que je les lance, ça me pète, ça me ferme ma session. Enfin, ça me ferme ma session, en fin de compte, ça me demande mon mot de passe, ça me fout un écran noir. Certaines, hein, c'est pas toutes. Et ce sont les applications que j'utilise habituellement sur mon PFA, sur Linux, et j'ai jamais eu de problème, de tels problèmes comme ça. Et là, ça me fout un écran noir. Et ça me demande mon mot de passe pour ouvrir ma session. Donc là, je trouve que c'est pas normal. C'est pour ça que je vous dis Garuda Linux, pour moi, c'est pas stable. Bon alors. Et non, il m'a pas remis ma résolution d'écran. Bon.
Alors ça, je sais pas ce que c'est le pare-feu qui se manifeste, mais là, X branle, là, branle-pile, là, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Voilà, alors pour l'instant, je ne vais pas cliquer sur bloquer. Parce qu'on ne sait jamais, tiens, mais si. Je vais cliquer sur bloquer pour voir, voilà, bloc. On va voir ce que ça a fait dans le pare-feu. Tiens, justement, c'est ce que j'allais vous en parler, justement. On va voir si ça applique la règle. Et si ça l'applique pour tout le temps ou provisoirement. Bon, là, j'étais à 1920 par 1080. Alors, c'était... Hop, je vais ouvrir ça. Alors, c'était ça. Ça, c'est quoi? Alors là, il est comment? Alors, j'ai cliqué donc sur bloc. Mais je voudrais savoir si ça l'applique provisoirement ou tout le temps. Alors, connexion, allô. Pourquoi il m'a mis sur allô setting? Connexion. Alors, bloc connexion, prompting, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Non, là ça marchait pas. Oh bordel, fait chier ce truc-là. Non, voilà, il est toujours sur défaut action ici là. Il est bien sur prompt, me demander. Donc, vous avez vu quand j'ai cliqué sur bloc, en fin de compte, ça bloque provisoirement, hein. Ça n'applique pas la règle, si vous voulez. Voilà, puis là, je suis bien sur prompting, là. Demander quoi. Interagir, quoi, grosso modo. Hein. Ça vous demande. C'est vous qui prenez la décision. Bon, ça, j'ai déjà expliqué.